Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. Ben oui, bienvenue dans cette première impression du jeu ici, qui est juste à côté de moi, Dune Imperium. C'est pas mon studio habituel pour faire mes premières impressions. D'habitude, je fais mes premières impressions tout de suite après avoir terminé de jouer. Mais là, les circonstances donc de ma partie avec Hélène, on était dans le temps des fêtes. Puis il fallait passer à autre chose. Donc, ce qui fait que je fais cette vidéo-là un petit peu plus tard. Hélène, elle n'est pas là, mais je pense qu'elle va être d'accord avec moi à 100% sur à peu près tout ce que je vais dire dans quelques instants. Puis ma table est présentement occupée par un certain jeu qui s'appelle Tinted Grail. Donc, c'est pour ça que je me suis mis ici, juste à côté de ma bibliothèque. Le jeu est juste là. Alors, je vais vous dire ce que je pense de Dune Imperium, ce fameux jeu qui utilise l'univers général de Dune, mais selon le visuel de ce que va être le prochain film de Denis Villeneuve, qui devrait sortir donc en 2021. D'ailleurs, je suis pas mal certain que Dune Imperium, le jeu était supposé sortir en même temps que le film, mais le film a été retardé à 2021 à cause de ce que vous savez, à cause de la pandémie. C'est ce qui fait en sorte qu'on a eu la chance, je vous dirais, probablement de le recevoir avant. La version française de ce jeu-là va sortir par la compagnie Lucky Duck Games. Devrait sortir probablement au début de l'année 2021, d'ici dans le premier trimestre, disons, de 2021. Alors, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? Je vais faire ma petite poutine habituelle, comme on dit en bon français. Donc, c'est un jeu que j'ai, je vous dirais, uniquement joué à deux joueurs. Donc, j'ai fait un grand total, j'ai fait trois parties, donc, à deux joueurs de Dune Imperium. Honnêtement, je ne l'ai jamais essayé en solo au moment où j'enregistre cette première impression-là. C'est une expérience que j'ai envie de faire, puis c'est une expérience, je pense, que j'ai même, je vous dirais, envie de vous faire vivre, probablement autour de la sortie du jeu, peut-être en français. J'aurai l'occasion de le ressortir. Et c'est un jeu d'ailleurs que je me suis moi-même procuré, donc Dune Imperium, avec mon propre argent. Ça vient pas de ma commandite, ce n'est pas pour dire que le valet de cœur l'a pas eu, mais j'avais l'opportunité de l'avoir un petit peu plus rapidement, puis je l'ai pris parce que je voulais vraiment essayer ce jeu-là. J'étais très intrigué, tout le monde en parlait avec beaucoup beaucoup de positifs, donc je me suis procuré le jeu, j'ai mis mon argent sur... on the line en anglais, là, mais bon, pour que vous compreniez. En vous disant tout de suite en partant que je ne suis pas un grand connaisseur de la franchise générale de Dune. Je me suis procuré j'ai reçu le livre en cadeau de Noël que j'ai commencé à lire, mais ma vie étant ce qu'elle est, on dirait que j'ai, dans mes temps libres, j'ai des choix, puis là c'est soit est-ce que je m'installe pour lire un livre, est-ce que je m'installe pour jouer à un jeu vidéo, est-ce que je m'installe pour lire un livret d'instructions. Souvent, jeux vidéo et jeux de société finissent par remporter la victoire, mais je me promets de lire ce classique-là, et c'est un monde qui m'intéresse beaucoup, monde que je ne connais qu'à travers le film des années 80, que j'ai d'ailleurs regardé pendant le temps des fêtes, et bon, je sais qu'il y en a plusieurs qui l'aiment pas, mais bon, j'ai trouvé que c'était quand même correct. Là, on s'entend que David Lynch, qui a réalisé le film, est un réalisateur qui nous amène souvent des histoires, des réalisations très, très spéciales. Bon, OK, là, je parle plein de choses extérieures du jeu. Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? On va commencer par le matériel du jeu. Moi, j'ai la boîte de base du jeu Dune Imperium, ce qui fait en sorte qu'au mois de mars, Direwolf sont supposés de sortir une version upgradée, donc améliorée du jeu, avec une boîte qui va nous permettre de mieux... parce que là, présentement, la solution pour mettre nos jetons puis tout ça, c'est une boîte normale, là. Mais au mois de mars, ils vont nous sortir des figurines qui vont représenter nos troupes, qui vont également représenter... Bon, je pense qu'il va y avoir du matériel de plus pour ce qui est des jetons qu'on va mettre là, sur le plateau. Donc, quelque chose qui est beaucoup plus beau. Donc là, c'est très de base. C'est des cubes de bois qui représentent nos troupes. Puis, le plateau... Bon, écoutez, j'ai entendu beaucoup de critiques par rapport au matériel et par rapport à l'aspect visuel de ce jeu-là. Moi, ça me...
Moi, ça va. Ça me va. Puis, oui, je pense qu'au mois de mars, c'est autour de ma fête, qui est le mois d'avril. Puis, je serais du style peut-être à demander, par exemple, à Hélène de recevoir ça en cadeau de fête, de recevoir la boîte upgradée de Dune Imperium. Est-ce que je vais jouer assez souvent à Dune Imperium pour vraiment, vraiment profiter? Tout ça pour vous dire que, pour moi, le matériel qu'il y a à l'intérieur de ce jeu-là, qui est représenté par des cubes de bois, les solaris sont représentés par des ronds gris, l'épice par des genres d'hexagones orange, nos troupes, c'est des petits cubes de rien, nos personnages, bon, j'avoue que nos personnages, j'avoue que nos agents sont bof, là, je dirais. Le plateau, moi, je le trouve très fonctionnel, puis non, moi, j'ai pas de problème avec ça. Le plateau, je le trouve correct. Et l'aspect visuel des cartes, moi, je suis littéralement tombé en amour avec l'aspect visuel de ce jeu-là. Je trouve les dessins sont vraiment très, très bien faits en général, puis ils représentent bien ce qu'ils sont. Fait que, du côté du matériel, moi, ça me va très bien. Le seul élément, par contre, que je dois vous dire tout de suite, c'est les cartes sont d'une qualité correcte. Mais déjà, après trois parties, là, on sentait que les cartes devenaient collantes. Là. Ceux qu'on utilise souvent, là, notre deck personnel, Hélène et moi, on a toujours utilisé le même deck de départ. Puis on sentait que, je sais pas, il n'y a pas de fini de protection, il n'y a pas d'effet tissé sur les cartes. Puis je sais pas si c'est l'encre qu'ils ont utilisé pour faire les cartes, mais quand je les brassais, souvent, les cartes restaient collées ensemble. Donc, ce qui fait en sorte que deux cartes qui restent collés ensemble, ben ils restent collés jusqu'à temps que tu les piges. Fait que j'ai fini par donc protéger toutes mes cartes. Donc j'ai, je pense d'ailleurs jouer assez souvent à Dune Imperium pour avoir pris le temps de sortir toutes mes protège-cartes que j'ai depuis longtemps. Parce que je protège pas toutes mes cartes de ma collection. Je suis très conscient que je jouerai pas nécessairement souvent à tous ces jeux-là. Parce que, bon, à cause de ce que je fais, mais j'ai comme on dit, sleevé toutes les cartes de Legendary, Marvel Legendary, pas les autres, mais Marvel Legendary sont toutes protégées. Puis certains jeux que je sais que je vais jouer très, très, très souvent, comme Gloomhaven, j'ai acheté un kit pour protéger toutes les petites cartes de combat parce qu'on les brasse tellement souvent. Alors j'ai fait la même chose pour Dune Imperium, donc j'ai tout protégé les cartes. Ça, c'est ce que je pourrais vous recommander vraiment si vous voulez jouer à ce jeu-là. Bon, pour ce qui est de la jouabilité, écoutez, c'est un deck builder qui est mélangé avec un placement d'ouvriers, une gestion de ressources. Je l'ai comparé à Lost Ruins of Arnak. Malgré que c'est pas nécessairement le même type de jeu, je veux dire, c'est pas le même thème, c'est pas totalement la même chose, mais je dois vous avouer que les jeux se ressemblent beaucoup. C'est même étrange à quel point ces deux jeux-là qui sont sortis à peu près en même temps se ressemblent beaucoup. Que ce soit dans Lost Ruins of Arnak, quand il fallait placer un de nos agents, puis je vous rappelle que dans les ruines d'Arnak, on a seulement deux. C'est pas des agents, là, c'est des archéologues. Là. On a deux archéologues à placer. Alors que dans Dune Imperium, on en a deux, puis on peut aller en chercher un troisième. Donc c'est très limité ce qu'on peut faire avec nos travailleurs. Puis dans les deux, il faut utiliser nos cartes de deck building pour justement donc de multiples usages. Donc dans Dune, on les utilise pour aller les placer sur des endroits spécifiques sur le plateau qui sont délimités par des couleurs et des formes qui se retrouvent également sur les cartes. Et dans Lost Ruins of Arnak, c'est la même chose. Là, c'est des automobiles, c'est des souliers, un avion, bon, peu importe. Donc, on utilisait ces cartes-là pour aller placer notre personnage à quelque part. C'est la même chose, je vous dirais. Sauf que j'ai senti vraiment le deck building un peu plus puissant dans Dune Imperium qui pouvait l'être dans Lost Ruins of Arnak. Je trouvais que vraiment, là, la première partie que j'ai jouée, j'ai jamais réfléchi aux cartes que j'achetais. J'essayais toujours d'acheter des cartes les plus chères. Puis je me suis rendu compte que quand tu veux y aller avec une stratégie, si tu veux aller jouer puis monter l'influence, par exemple, de la Spacing Guild, ben, assure-toi d'avoir des cartes qui vont te permettre d'aller placer tes agents sur la Spacing Guild, sinon tu ne pourras jamais le faire. Donc, il y a vraiment un gros aspect de réflexion donc du deck building dans ce jeu-là que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je dois vous avouer, là, vraiment, là, puis les cartes sont quand même très thématiques, je trouve, un petit peu, en connaissant moyennement la franchise. Je trouvais ça quand même intéressant, ce qu'on allait recruter.
le fait de pouvoir, le fait sur ces cartes-là pour Dune Imperium, le fait de d'utiliser les cartes soit pour aller placer nos agents et d'avoir l'habilité spéciale sur la carte pour placer nos agents, ou si on décide de ne pas jouer nos cartes, donc à la fin complètement de notre tour, on révèle nos cartes et on se ramasse avec toutes les ressources, et c'est avec ces ressources-là qu'on peut acheter de nouvelles cartes, qu'on peut améliorer ou grossir notre force militaire. C'est magnifique, cette interaction-là des cartes, moi j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça le fun. Le côté, je vous dirais, que j'ai moins apprécié, mais c'est peut-être mon manque d'expérience, c'est la gestion de ressources. Parce que les ressources sont vraiment très, très limitées dans ce jeu-là. Surtout pour l'eau. C'est très thématique par rapport à Dune. J'en suis très conscient. Mais dans ma partie avec Hélène, j'avais de la difficulté à aller me chercher de l'eau. Puis les endroits pour aller chercher de l'eau sont quand même très... très très limité. Les épices, c'est la même chose. Mais il y a toujours la possibilité quand même d'aller chercher les différents types de ressources, mais il faut que tu aies les bonnes cartes. Et puis il faut surtout pas que ton adversaire soit allé mettre son jeton, son agent au même endroit que tu voulais aller, parce que c'est un seul agent qui peut aller sur l'ensemble des endroits sur le plateau. Fait que ça, c'est quand même une gestion qui, moi, j'ai trouvé difficile. Est-ce que c'est Ça m'a empêché de vraiment apprécier le jeu? Non, parce que je vous dirais que ça ajoute au puzzle qui est justement ce jeu-là. Mais l'aspect que j'aime le plus de Dune Imperium, c'est les combats. Je sais pas, c'est un petit ajout, mais c'est tellement le fun. Les cartes nous permettent de recruter des soldats qu'on va mettre dans notre quartier général. Dépendamment, on va mettre notre agent, on va pouvoir donc mettre nos troupes sur un combat, rajouter certaines de nos troupes, une ou deux troupes de notre quartier général, qui va faire augmenter notre force militaire pour gagner les bonus qu'il y a pour ce tour-ci. Parce qu'au début de chacune des rondes que l'on va faire, on va tourner la carte de conflit. Et celui qui va venir en première position peut gagner des points. Ça peut être des ressources, ça peut être des cartes de déception ou d'intrigue. Je pense que c'est des cartes d'intrigue. Les cartes d'intrigue me font beaucoup penser au jeu Lords of Waterdeep, alors que tu as des cartes dans tes mains, mais ton adversaire ne sait pas ce que tu as. Et lorsqu'il vient le temps de faire la bataille, tu peux jouer une carte pour grossir, augmenter considérablement ta force militaire. Ton adversaire ne le sait pas. Tu peux réfléchir pour les prochains tours, parce qu'à force de jouer, tu te rends compte que les cartes de niveau 3, c'est là que le plus grand nombre de points peuvent être rajoutés au plateau, parce que le but du jeu étant le premier qui arrive à 10 points, ou s'il n'y a plus de cartes dans le deck de conflit. Là. Donc, on va jouer, je pense, 10 rondes dans tout au maximum. Okay? Mais tu peux quand même préparer un petit peu tes troupes. Est-ce que tu veux vraiment attaquer ce tour-ci, ou tu veux garder tes troupes dans le quartier général pour le prochain? Il y a du bluff qui se fait avec les cartes que tu as dans tes mains. Ces cartes d'intrigue-là, avec les combats, qui sont très simples. Hein? Les combats, c'est chacun des cubes vaut 2 points. Puis sur nos cartes qu'on n'utilise pas, qu'on dévoile, il va parfois avoir des petits icônes de force militaire qui vont rajouter un point. Puis à la fin, celui qui a le plus de points, mais c'est lui qui va gagner le bonus, et ainsi de suite. Dune Imperium, c'est une magnifique surprise. Magnifique surprise. Quand on joue à deux, on joue avec un automa qui est très efficace. Un automa qui ne va pas nous se battre... quand je parle à deux joueurs, là, on rajoute un troisième joueur finalement qui ne se bat pas pour nous sur le plateau des points, mais qui va se battre par exemple contre nous pour les combats militaires, et qui peut quand même brouiller les cartes quand même beaucoup à ce niveau-là, et qui peut même parfois aller placer ses agents à certains endroits qui vont nous nuire. Et c'est ça que je veux d'un genre d'automa. Donc justement nous permettre de peut-être prendre des décisions qui vont vraiment affecter nos décisions à nous. Alors je trouve ça très intéressant, et je sais qu'en solo on va jouer avec le même deck de cartes, mais avec deux automas, et là cette fois-ci ils vont jouer pour des points et on va essayer de les battre. Alors ça, c'est un côté que j'ai très très hâte d'essayer. Très très belle surprise. Je vous dirais que la comparaison elle est nécessaire. Et c'est un peu difficile pour moi de vous dire qu'est-ce que je préfère le plus entre Lost Ruins of Arnak et Dune Imperium, parce que Arnak, je n'ai joué qu'en solo, alors que lui, je n'ai joué qu'à deux.
Ça va être quoi exactement le combat quand je vais jouer en solo, là? Lequel va être meilleur entre les deux? Mais ce que je peux vous dire entre les deux au niveau de la jouabilité, si j'en avais un à choisir entre les deux, parce qu'ils sont vraiment, ils se ressemblent beaucoup sans être pareils. Ils ont tous les deux leur façon d'être. Je vous dirais que dans Lost Ruins of Arnak, il y a plus de possibilités de faire des actions à l'extérieur, d'utiliser des cartes, parce qu'on a la possibilité d'utiliser des ressources pour pouvoir avancer sur une piste de recherche, ce qu'on n'a pas nécessairement dans Dune Imperium, mais je pense que j'aime un petit peu plus Dune Imperium. Je pense que le côté combat, carte d'intrigue, en tout cas deux joueurs, je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner en solo, les cartes d'intrigue, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment tombé en amour avec Dune Imperium. C'est un excellent jeu, mais c'est un jeu qui va vous demander de réfléchir. Il faut prendre le temps de bien apprendre le jeu. Ne vous basez pas nécessairement sur votre première expérience. Apprenez à connaître les cartes, apprenez à connaître la synergie entre les cartes. N'allez pas nécessairement juste prendre les cartes les plus chères, parce que ce n'est pas nécessairement les meilleures pour votre stratégie. C'est un jeu de gestion de ressources qui est très serré. C'est pas facile d'aller chercher des ressources. C'est très thématique, je trouve, le jeu en général, avec nos personnages qui ont des habiletés spéciales. Et ils ont un pouvoir qu'on va pouvoir utiliser tout le temps, et on a une habileté spéciale qu'on va utiliser avec une de nos cartes, là, qui est un symbole de bague. Deux gros pouces en l'air pour moi. Oui, j'aime beaucoup ce jeu-là. Et puis, il aurait définitivement été dans mon top 10 des meilleurs jeux de 2020. Probablement très très haut, là. Je dirais que c'est vrai que c'est On Mars qui est mon numéro 1 pour l'année 2020. Et je pense qu'On Mars sera encore numéro 1, parce que On Mars, c'est vraiment un jeu très très cérébral que j'aime beaucoup, mais il serait très proche du top d'une Imperium. Là. Je vous le recommande beaucoup. Puis si vous attendez la version française, ça s'en vient bientôt. Puis, est-ce que c'est nécessaire d'avoir les figurines? Non, mais c'est sûr que ça serait beaucoup plus thématique. Fait que voilà, mesdames et messieurs, c'était ma présentation de ma première impression de Dune Imperium. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette présentation-là. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire également un petit tour chez mon commanditaire Le Valet de Cœur au www.levalet.com. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon au www.patreon.com/zonejeuxdesociété. Et allez faire également un petit tour dans la description pour aller cliquer sur tout ce qu'il y a, dont un lien pour avoir un chandail, comme vous voyez là, à l'effigie de la Zone de Société. Et d'ici la prochaine fois, bien, amusez-vous avec encore une fois vos jeux de société, et on va se revoir très bientôt.